Tinga, fumar. Отходит, отъезжай. Ну туда вот отъезжай. Миша, блядь!
got out all right. Sur le quai, des voyageurs attendent leur train à la gare de Nangy, en Seine-et-Marne. En haut de l'image, un passage à niveau. Il est 8h35. Un camion s'engage, puis s'immobilise en pleine voie. C'est un convoi exceptionnel de 29 tonnes. Sur les images, on distingue à peine cette silhouette. C'est le conducteur. Il constate que sa semi-remorque, très basse, se retrouve bloquée par une bosse. 8h38, le train 1646, en provenance de Belfort, sera là dans moins de 2 minutes. Le chauffeur court chercher de l'aide. Il est suivi par un pompier qui passait par là par hasard. Ils ressortent, 45 secondes plus tard. La sonnerie du passage à niveau vient de retentir. Le pompier alerte les passagers, puis repart en courant. Au loin, les barrières se baissent. Il ne reste plus que 20 secondes avant l'arrivée du train. Il faut fuir au plus vite. Après avoir percuté le camion, le train a déraillé. Sa course est freinée par le quai de la gare. C'est ce qui a sauvé la vie des piétons. Dans un nuage de poussière, les 350 passagers sortent. Abasourdis. Mais sains et saufs. Le bilan tient du miracle, aucun mort et une quarantaine de blessés. Tous les 3 jours en France, un accident se produit à un passage à niveau. 36 personnes en moyenne y perdent la vie chaque année.